que le détective journaliste était tellement bien. Ah ouais, tous ces bons moments qu'on a passés et tous ces magnifiques paysages. Bah oui, je compte bien l'année prochaine. Moi aussi. Le pire, c'est qu'on n'a pas exploité toutes nos idées. Ouais. Bah. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Ça tombe là. Ah oui, oh zut, pardon. Du coup, merci de nous avoir suivis et de nous suivre encore. Et tout de suite, le sommaire. Oh, cette semaine nous a donné tellement faim. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un reportage à la boulangerie d'Argentière. Aujourd'hui, notre équipe de journalistes est à la boulangerie, le Fournil Chamoniard, pour une petite interview avec le boulanger et quelques clients. Entre gâteaux, viennoiseries, pain au chocolat ou encore chocolatine, et bien évidemment toutes sortes de pains, on ne sait plus où donner de la tête. Même si tout a l'air bon, nous sommes là pour le travail. Pourquoi êtes-vous devenu boulanger ? Alors je suis pas boulanger, je suis vendeur en boulangerie, c'est pas pareil. Donc du coup je m'occupe de vendre tous les pains, les pâtisseries, tout ce que tu peux voir ici. Je suis devenu vendeur en pâtisserie parce que j'aime bien le contact humain et la relation avec les différents clients. Voilà. Comment fabriquez-vous votre pain ? Très bonne question. Alors le pain il est fabriqué donc pas dans cette boulangerie là, il est fabriqué sur Aix, Aix-les-Bains plus précisément, et donc là on a une grosse usine où tout le pain est fabriqué. Voilà. Dans cette boulangerie, qu'est-ce que vous vendez le plus ? Alors le plus ça va être tout ce qui est pain au chocolat, les croissants, les croix de Savoie, tout ce qui est savoyard, tout ce qui est en fait viennoiserie. C'est ça qui part le plus rapidement parce que le matin on a pas mal de ces viennoiseries là et les gens en demandent beaucoup. J'aime bien, quand je viens et je passe par Chamonix, je m'arrête à Argentière souvent quand c'est cette heure-là pour manger. Bah, j'adore cette boulangerie, personnellement je viens souvent. Quand je suis sur Argentière, je passe régulièrement ici. Une dernière question, vous dites pain au chocolat ou chocolatine ? Ça dépend, moi je m'adapte forcément à la cliente qu'on a en face, pain au chocolat ou chocolatine. Ici c'est écrit pain au chocolat, mais si les clients demandent chocolatine, on s'adapte à la clientèle qu'on a en face. Et vous dites pain au chocolat ou chocolatine ? Je dis pain au chocolat. Pain au chocolat, bien sûr. Ah, quelle chaleur! Je me demande combien de température fait-il. Vérifions tout de suite avec la météo. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Ah vous êtes là? Commençons alors. Comme vous pouvez le voir, dans toute la France, de gros soleils rouges. Et le pire, c'est qu'il fait 46 degrés. Donc je vous conseille de prendre casquette, lunettes de soleil, crème solaire. Je dis la météo. Mais non, ici à Mouret, il fait moins 40 degrés. Comment ? Mais oui, tu vois bien. Et puis en plus, le pire, c'est que toute la région est en alerte rouge de neige. Ah ! Petit changement de programme. Il fait beau dans toute la France, sauf à Mouret. Et le pire, c'est que vu qu'on est au mois de juillet, on a tous pris des shorts pour la colo. Et voilà. Alors, d'où sors-tu tout ça ? Écoute, j'allais en acheter parce que il fait trop froid. Allez. C'est vrai qu'il fait froid ici, hein ? Ouais, je vais t'acheter en blouson. Ouais. Ah, mais vous croyez vraiment que c'était fini ? Tout de suite, notre gros projet, notre bande-annonce. Et c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais il est vraiment bien. Golden's is on the track.
Merci beaucoup de nous avoir regardé cette émission et surtout, demain c'est le dernier épisode, alors ne le manquez surtout pas. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, de commenter et surtout d'activer la petite cloche de notification. Oh, il y a les cervelles. À droite, il y a les poussous, il y a les serpentards. Okay, et en bas, les griffons.